Bonjour, c'est François Joussaume. Et donc, je travaille à la librairie depuis 33 ans maintenant. Et avant, c'était mon grand-père, mes grands-parents et mon arrière-grand-père. Est-ce que vous aimez les galeries Oui, bien sûr. Je les connais parce que tout petit, à peu près à votre âge, je venais faire mes devoirs d'école ici. Mes parents habitaient les Halles et j'ai toujours connu le cœur de Paris, les passages. Pardon ? C'est très beau, non ? Oui, 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 c'est très beau. Il y a une très jolie librairie aussi. J'y suis allé il y a longtemps. Tout à fait. Avec des rats. J'aime les livres. Si j'aimais pas les livres, je serais bien embarrassé. Non, j'aime le contact des livres, le toucher, ce qu'un livre peut donner comme enrichissement à chaque individu et susciter des curiosités, pas forcément des livres intellectuels, mais des choses de voyage, de curiosité, pour s'épanouir, pour sans cesse. L'être humain, c'est comme un jardin, il faut l'entretenir. C'est ce que disait Montaigne. Il ne faut pas se laisser aller au pur divertissement, malheureusement, la société voudrait que c'est une forme d'abrutissement. Il faut être curieux. Est-ce que vous avez un livre rare ou... J'ai eu beaucoup de livres rares, mais tout passe. Je n'ai pas gardé pour moi-même, j'en garde presque pas. Tout est destiné pour être vendu. Je garde très peu de collections pour moi. Et par goût, oui, j'ai quelques rares livres du 17e, 16e, un tout petit peu. Et puis c'est tout, et puis quelques livres d'artistes illustrés. Okay. Alors, ce que vous en pensez là, docteur? Ok, c'est une librairie très ancienne et c'est très mignon. Et si on voit sur la fenêtre, il y a beaucoup de livres. Oui, et c'est un petit peu un lieu magique pour moi. Je ne sais pas pourquoi, mais toute l'affaire ici, c'est un petit peu, je ne sais pas, avec le soleil, la fenêtre. Oui, un lieu magique, je voudrais dire. <t'en>